Hello! Alors ça y est, c'est mon dernier jour à Jeonju. Donc là, je m'apprête à partir, à laisser ma chambre. Mes bagages sont prêtes. Voilà, je vais rendre ma chambre. Je vais essayer de leur confier ma valise aussi pour faire quelques visites de plus. Et du coup, le programme de la journée, c'est d'abord aller prendre un café dans un salon de thé que je voulais essayer, qui est apparemment des pâtisseries aussi traditionnelles coréennes. Ensuite, essayer de trouver quelques souvenirs que je peux rapporter à mes amis. Et après, faire un ou deux musées. On verra un petit peu. J'ai pas encore trop décidé ce que je voulais faire. Et du coup, le but, ce serait de revenir ici vers milieu, voire fin d'après-midi pour récupérer mes valises, prendre le bus jusqu'à Séoul, peut-être vers 5, 6 heures ou quelque chose comme ça pour pouvoir rentrer pas non plus trop tard. Du coup, voilà, bon, je vous laisse pour le moment parce qu'il est déjà 10h30 et je suis censée rendre ma chambre à cette heure-ci. Donc, on se retrouve tout de suite pour ma troisième journée à Jeonju. Bon, du coup, il n'y avait personne dans la guest house, j'ai laissé mes bagages près de la cuisine. J'espère que ça va être bon. Il y avait d'autres bagages, donc je suppose que ça va. Donc voilà, on verra cet après-midi. Et en tout cas, je me dirige vers le café. En chemin, j'ai aussi vu des vieilles dames qui entretenaient la route, je pense. Elles avaient l'air d'arracher des herbes. Et après avoir tourné un petit peu dans le quartier, parce que je suis arrivée en avance et que ça n'ouvrait qu'à 11h, je suis arrivée au Gyodong Tea Garden. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est un salon de thé traditionnel et l'ambiance est vraiment super sympa, c'est vraiment calme et relaxant. Ils ont aussi pas mal de choix au niveau du thé, mais par contre, pour les amateurs de café, passez votre chemin, ils n'en ont pas du tout. Donc j'ai choisi le Golden Tea et le staff vous montre comment le servir quand il vous l'apporte. Pour commencer, il faut remplir la théière d'eau bouillante jusqu'à la moitié environ, attendre plus ou moins longtemps en fonction de si vous préférez votre thé fort ou léger, mais je crois que c'était au moins 30 secondes. Ensuite, vous le versez dans la deuxième théière et une fois que vous avez retiré le filtre, c'est prêt. Vous pouvez répéter ce processus plusieurs fois jusqu'à ce que ça ait moins de goût. Et j'avais aussi commandé un gâteau à l'armoise. Alors le goût n'est pas très fort, mais j'ai quand même beaucoup aimé, c'était parfait pour accompagner le thé. Franchement, je pense que ici, c'était l'endroit préféré où j'ai été de tous les restaurants et cafés, salons de thé où j'ai été jusqu'à maintenant. Comme dit, le cadre est vraiment sympa, ils ont beaucoup de choix niveau thé, ils ont aussi des gâteaux un petit peu traditionnels et franchement niveau prix j'étais assez surprise parce que je pensais que ça allait être plus cher parce que bah voilà le cadre, salon de thé traditionnel et tout ça, mais finalement c'était des prix normaux, c'était beaucoup moins cher que les autres salons de thé traditionnels qui proposaient dans le quartier. En tout cas voilà, j'ai siroté mon thé tranquillement et avancé un petit peu plus dans la lecture de mon livre avant de me remettre en route. Ah, et d'ailleurs, il me semble que là-bas aussi, on m'a demandé de payer directement, donc je pense que c'est effectivement le standard ici. Bon, par contre, le petit gâteau à l'armoise n'était absolument pas suffisant pour combler mon déficit calorique, donc j'ai décidé de me reprendre quelque chose à grignoter en sortant. J'ai acheté un chebwanpang, qui veut littéralement dire pain de diwon. Comme vous pouvez le voir, c'est une sorte de gâteau en forme de pièce de diwon fourré de fromage, et ça a l'air d'être une nourriture assez populaire à Jeonju, j'en ai vu beaucoup dans le village de Hanok, même si ce n'est pas exclusif à ici. On en trouve un peu partout en Corée et aussi au Japon, donc je sais pas très bien qui l'a inventé en premier. En tout cas, j'aime bien, le pain est un peu sucré, mais ça se marie bien avec la mozzarella qui est à l'intérieur, je trouve. Ensuite, je suis allée au Jeonju Korean Liquor Museum où on vous explique la fabrication de l'alcool de riz coréen. J'ai appris que le riz est d'abord rincé puis cuit. Après avoir refroidi, il est mélangé à de l'eau et du nuluk, qui est un ingrédient traditionnel coréen pour la fermentation alcoolique. Alors bon, c'est un petit musée, la visite est faite en une dizaine de minutes, mais je l'ai trouvé sympa. Et puis, il y a aussi quelques jeux traditionnels dans la cour auxquels on peut s'essayer à jouer. En me promenant un peu plus dans le village de Hanok, je suis tombée sur la maison de Hee-seok, qui est le petit-fils de Gojong, le dernier empereur de Corée. Alors bon, après, rien de bien intéressant, c'est maintenant un Airbnb je crois, donc le seul moyen de le visiter, ça a l'air d'être de louer une chambre. Et bon, est-ce que ça vaut le coup? Ça, je sais pas. Puis j'ai fini ma visite au Jeonju Hanok Village History Museum, un petit musée qui raconte l'histoire du village de Hanok de Jeonju. C'est là aussi très petit, mais ça permet d'en savoir plus sur comment le village de Hanok est devenu ce qu'il est maintenant, donc je recommande d'y aller. Alors bon, j'ai oublié de prendre des photos et des explications, mais d'après ce que je me rappelle, le village de Hanok avait failli disparaître, les maisons étaient à l'abandon pendant de nombreuses années, avant que le gouvernement ne décide de mettre de l'argent dans sa restauration. Par contre, de nos jours, c'est plus vraiment un quartier résidentiel, les maisons sont soit des boutiques et des restaurants, des musées ou des hôtels. Ah bon, il y avait beaucoup plus d'explications que ça, mais je m'en rappelle plus très bien, donc je vais éviter de dire des bêtises. Mais du coup, bah, je vous recommande aussi de visiter ce musée si vous allez à Jeonju, et comme tous les musées de la ville, je crois, en tout cas tous ceux que j'ai vus, c'est gratuit. Et après tout ça, bah, j'avais un petit peu fait le tour, donc j'ai décidé de rentrer à Séoul, même s'il était encore un petit peu tôt. Du coup, je suis retournée au Airbnb chercher ma valise, et je l'ai retrouvée là où je l'avais laissée, donc ouf!
Je me suis donc remise en route vers le terminal de bus où j'en ai profité pour acheter des souvenirs. D'après mes recherches, la spécialité de Jeonju qu'on peut acheter en souvenir est la Jeonju Choco Pie, une sorte de petit gâteau au chocolat fourré d'une sorte de mousse. Et les Choco Pie de Jeonju ont aussi de la confiture à l'intérieur. La marque la plus connue ici est PNB qui ont des magasins un petit peu partout dans la ville, y compris dans le village de Hanok. J'y étais passée ce matin en attendant que le salon de thé ouvre, mais j'ai finalement décidé d'attendre d'être à la gare routière pour acheter, histoire de ne pas avoir à les porter dans la chaleur toute la journée. Et une fois que c'était fait, il me restait plus qu'à acheter mon ticket et monter dans le bus direction Séoul. Et je n'ai pas pu m'empêcher de goûter une choco pie pendant le trajet, aussi parce que j'avais faim. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors bon, c'est plus cher que celle qu'on trouve en supermarché, mais c'est aussi bien meilleur. Et comme dit, c'est aussi un petit peu fourré avec de la confiture. Le seul point négatif pour moi, c'est la date de péremption. C'était bon que 7 jours, ce qui est un petit peu juste quand on veut les offrir en cadeau. Donc du coup, à la base, je pensais en acheter plusieurs boîtes individuelles à offrir à certaines personnes. Mais finalement, comme j'étais pas sûre de qui j'allais voir en 7 jours, j'ai juste acheté un assortiment à distribuer. Donc ça se présente comme ça. Et quelques heures plus tard, j'étais de retour à Séoul et j'en ai profité d'être au terminal de bus pour m'acheter une sucrerie à leur étage nourriture, qui est juste en dessous de là où arrivent les bus en provenance de Jeonju. Cette fois-ci, j'ai décidé de rentrer en métro plutôt qu'en bus puisque c'était l'heure de pointe, et franchement, j'ai regretté mon choix parce que c'était bondé. Mais bon, honnêtement, je pense qu'en bus, à cette heure-ci, ça aurait été pire. Coucou, alors c'est la moi de dans très longtemps, dans le futur. En fait, je me suis rendu compte en faisant le montage que j'avais complètement oublié de filmer une vidéo de conclusion pour ces vlogs. Mais bref, pour conclure, Jeonju, j'ai vraiment adoré. Le village de Hanok était vraiment super mignon, ça permet vraiment de découvrir l'architecture traditionnelle coréenne. Et du coup, c'est vraiment un voyage que je recommande si vous avez un petit peu de temps en Corée. Et c'est vrai que moi, personnellement, ça m'a fait du bien aussi de sortir un petit peu de Séoul et d'être dans un endroit un petit peu plus calme, un petit peu plus slow life on va dire, pendant quelques jours. Alors bon, par contre c'est vrai que personnellement Jeonju, le garde-manger de la Corée entre guillemets, ça m'a pas vraiment convaincue. C'est vrai que les trucs que j'ai mangé là-bas, de manière générale, ça m'a pas spécialement plu. En fait c'était plus les cafés, donc les trucs sucrés, les salons de thé que j'ai aimé, donc le salon de thé où j'étais le dernier jour, donc pendant ce vlog. J'avais bien aimé aussi la glace que j'avais mangée le premier jour, mais c'est vrai que de manière générale, les restaurants où j'ai été, ils m'ont pas spécialement convaincue. Mais bon, après ça, je pense que c'est personnel. Je pense que si vous recherchez peut-être un petit peu mieux, que vous allez peut-être dans les endroits un petit peu moins touristiques, ça peut être un petit peu mieux. Et par contre, s'il y avait une chose à changer par rapport à ce que j'ai fait, ce serait la longueur du voyage. Donc plutôt que d'y aller 3 jours et 2 nuits comme je l'ai fait, ce serait plutôt d'y aller 2 jours, 1 nuit, parce que je pense que c'est assez suffisant. Le truc, c'est que la grosse attraction à Jeonju, ça reste quand même le village de Hanok, qui est quand même assez petit, donc on a quand même assez rapidement fait le tour. Et c'est vrai qu'à part ça, il n'y a pas énormément de choses à faire. Alors bon, si on sort un petit peu plus loin dans la ville, il y a peut-être un ou deux musées qui peuvent être intéressants si vous aimez bien les musées. C'est vrai que vous pouvez aussi aller dans la montagne, vous pouvez faire des petites randonnées, peut-être voir la statue dans la montagne que je n'ai pas trouvée au final. Mais en tout cas, si votre but c'est d'aller voir le village de Hanok, franchement 2 jours c'est largement suffisant. Surtout si vous partez assez tôt le matin et que vous rentrez assez tard le soir, le deuxième jour, vous avez largement le temps de faire le tour. En tout cas voilà, j'espère que cette série de vlogs vous a plu. Alors bon, comme dit, je sais que c'est encore très expérimental, j'étais pas encore du tout habituée à faire des vlogs, je me suis rendu compte de pas mal de problèmes au montage, donc par exemple le fait que la caméra secouait trop, j'ai essayé de le corriger au montage mais ça se voit toujours, donc voilà, ça c'est des choses que je me suis rendu compte seulement après coup. Donc bon, je sais que c'est encore très loin d'être parfait, mais j'espère que vous avez quand même apprécié. Mon vlog à Gangneung, normalement, ça devrait être beaucoup mieux parce que les choses dont je me suis rendu compte au montage de ça, j'ai essayé de les corriger quand j'étais à Gangneung. J'étais aussi un petit peu plus habituée à parler face caméra, donc il y a un petit peu plus de ça aussi. J'étais plus à l'aise pour vlogger de manière générale. Et du coup, cette série de vlogs à Gangneung, elle devrait sortir bientôt. Mon objectif, ce serait de la poster donc à partir de samedi prochain, donc une semaine après la sortie de cette vidéo. Mais bon, vu que j'ai pas encore commencé le montage, je sais pas si c'est très réaliste comme objectif. Peut-être que ce sera plutôt seulement dans 2 semaines. Je pense que 2 semaines, c'est faisable. Mais du coup, voilà. En tout cas, ça devrait arriver bientôt. Mais en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des suggestions pour une prochaine vidéo.
Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je poste pas mal de choses sur ma vie quotidienne en Corée et aussi sur mes voyages dans le pays. Donc si vous voulez être un petit peu plus à jour, voir un petit peu plus tout ce que je fais en temps réel, c'est plutôt sur Instagram que ça se passe. Donc je vais vous mettre le nom de mon compte, on va dire ici sur l'écran et aussi en barre d'infos. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour mes vlogs à Gangneung. 안녕히 계세요.